Salut, je suis en route pour aller sur le parc de nuit. C'est le lieu où les brebis vont dormir la nuit, donc il est entouré de filets électrifiés. Voilà. Donc là, je suis en 4x4 sur la piste. J'ai le lever du soleil à côté de moi, c'est assez chouette. Voilà, donc là, je suis arrivée à côté du parc de nuit. Et en fait, avant de partir avec les brebis, on leur met des grains. Voilà, du grain pour compléter un peu, parce que comme tout le monde le sait, il y a la sécheresse. Et du coup, il y a beaucoup moins d'herbe, donc on est obligé de compléter. Donc là, voilà, on donne du grain. Alors, il y a plein de choses dedans. Je vais pas vous dire le détail, mais voilà, il y a plein de trucs. Des céréales, enfin plein de sortes de céréales. Mais aussi du carbonate de calcium et du sel, et voilà. Voilà, c'est un mélange assez complet. Voilà, donc en tout on met 4 sacs de 25 kg. Voilà le parc de nuit Molly, qui est un patou. Enfin un patou. Elle, c'est une chienne qui est croisée avec les abruzzes. Donc c'est une autre race de chien de protection. Voilà. Voilà, donc les brebis sont au fond. Voilà. Et là, donc, vous avez la citerne. Voilà, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'eau ici. Donc, on remplit une citerne et tous les soirs, on remplit les abreuvoirs. C'est parti pour rejoindre. Alors, elles connaissent le chemin, évidemment. Une fois qu'elles ont eu du grain, après, ça y est, quoi. Elles savent où le trouver. Donc là derrière les chiens, vous avez Izzy, voilà, et Iggy, l'autre patou. Et voilà, c'est parti. Donc vous voyez pas, mais les premières, elles courent devant. Voilà, donc on est revenu à la carrière avec les brebis cette fois-ci, qui mangent le grain. Voilà. Donc on fait des grandes lignes pour qu'elles puissent toutes manger, quoi. Voilà. Donc maintenant qu'elles ont fini le grain, elles vont progressivement monter sur ce travers que vous voyez là. Et la journée va commencer. La suite d'une journée de garde avec le troupeau se fera sur un prochain épisode. À bientôt!